quotidienne, qu'est-ce qu'on retient d'un match comme ça, 0-0, dans des conditions assez, assez difficiles? Je pense que dans un match comme ça, il faut retenir le point. Je pense qu'à la fin de la saison, on se souviendra de ce point-là. Donc, c'est le point qu'il faut retenir. Voilà, la manière, ça a été compliqué aujourd'hui de jouer. On a vu les conditions, le terrain qui n'était pas bon, il pleuvait en plus. Donc, je pense que c'est un bon point de prix. Quand on est défenseur, d'habitude, voilà, on évite de faire les erreurs. Là, dans des conditions comme ça, on est encore plus vigilant. Ouais, c'est sûr qu'à chaque ballon, même un ballon anodin, ça peut se transformer en une grosse erreur ou quelque chose. Donc, faut être très très vigilant à tous les ballons et s'en éviter de faire la fin. Vous avez fait votre choix dans le titulaire. Comment est-ce que vous êtes senti pendant cette première minute? Je me suis senti bien en jambes. Je savais tout ce que j'avais à faire. On a un staff qui nous parle beaucoup, qui nous donne beaucoup de billes pour être armé à chaque rencontre. Et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui et ça m'a permis immédiatement de bien me remettre dans le bain. Comment tu vis cette période-là où tu es plus souvent remplaçant depuis ton retour de la période? C'est un peu compliqué parce que j'aspire à jouer et jouer tous les matchs. Les deux derniers matchs, ça n'a pas été le cas. Il y en a un où je suis arrivé en plein milieu de la semaine, donc c'est normal. Après, je suis arrivé dans une équipe qui marche bien, qui marchait bien lors des dernières rencontres. Donc, je l'ai aussi accepté, j'ai pris mon mal en patience. Maintenant, je suis rentré, c'est pourquoi je viens de sortir. Du coup, vous sentez que l'équipe est beaucoup plus compétitive et ça permet justement d'ajouter quelque chose en fin de saison, de sortir ça qui va bien. Ouais, clairement, en plus, j'ai été absent pendant un mois et demi, j'ai pu voir l'évolution. Quand je suis arrivé, j'ai vu des joueurs en pleine confiance et un système de jeu très huilé. J'ai senti qu'ils avaient très bien travaillé pendant que j'étais pas là. Donc, c'était un plaisir de revenir et de voir tous ces progrès que l'équipe collectivement a pu faire. Et j'essaie de rattraper le truc de train. Tu préfères la méthode Côte d'Ivoire ou ici? Je préfère ici, je suis parisien.